Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la restauration du Between et vous montrer dans quel état le Between maintenant. Donc à quoi il ressemble. Donc là vous voyez, vous l'avez devant vous. Donc ce que j'ai changé dessus, c'est cap de frein, voilà, gaine, changer la gaine entière, poignée, le grip du dérailleur. Cap de dérailleur aussi, poignée de frein. J'ai genre fait une petite déco, voilà comme ça. Voilà, j'ai refait une petite déco. Et puis voilà, c'est une toute petite restauration quoi. Qui m'aura pris un petit peu de temps quand même, parce que quand on commande sur internet, ça met du temps à arriver. Donc voilà, normal. Pour l'instant, je peux toujours pas vous faire des vidéos en vélo et tout. Parce que j'ai pas de GoPro. J'ai pas de sous non plus pour en acheter une. Parce qu'il y en a pour eux, ils pensent que c'est simple de pouvoir acheter une GoPro. Moi je vous garantis que non. je galère à mort à acheter une GoPro. C'est pour ça que pour l'instant je vous filme avec mon portable. Je galère à mort. Du coup pour l'instant je peux pas vous faire de vidéo. Je vais essayer de me démerder pour en avoir une dans les mois à venir. Même les semaines à venir, parce que je passe mon BSR le 2 et 3 mars. Du coup, j'aurais bien voulu vous filmer mon plateau, ma conduite et tout, au BSR. Et puis voilà quoi. Voilà. C'était une petite vidéo vite fait pour vous parler, pour vous montrer le Between dans son nouvel état. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà. En tout cas, moi je vais faire de mon mieux pour essayer de vous trouver une GoPro, enfin de me trouver une GoPro, parce que c'est pas pour vous, mais enfin, si c'est pour vous que je fais ça, mais ce sera pour moi la GoPro bien sûr. Je vais essayer de trouver une GoPro et puis de reprendre les vidéos normales. Allez, à plus pour une prochaine vidéo, salut!